Ich komme aus der Bukowina, damals Österreich. Nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt nach dem Zusammenbruch Österreichs, ist das Rumänien geworden. Die ganze Schulzeit war ich in Rom, habe ich Rumänisch lernen müssen und auch die Matura, anschließend die Universitätsstudien. Genug? Das ist en français. D'accord. Regardez-moi. Je suis originaire de Bukowina, une province qui appartenait à ma naissance à l'Autriche. Et quand l'Autriche a perdu la guerre et a été démembrée, c'est devenu roumain. D'ailleurs, ma province a changé 4 fois de mains. C'était à l'origine l'Autriche, après la Roumanie. En 40, c'est devenu soviétique, c'est-à-dire russe. Les Russes, après au pacte germano-soviétique, ils ont profité du fait qu'ils voulaient récupérer la Bessarabie, qui selon eux était injustement appartenait à la Roumanie entre les deux guerres. Et c'était le principal. Alors, comme intérêt, ils ont mis la main aussi sur la Bukovine du Nord. Jamais auparavant, ce n'était russe ni ukrainien. En effet, il y avait beaucoup de minorités. En Bukovine, il y avait la plus forte minorité, étaient les Juifs. Sur 120 000 habitants de Tchernowitz en 1930, il y avait 45 000 Juifs, c'est pour vous dire. Et toute l'intelligence était pratiquement des Juifs. Toutes les professions libérales, partout. Ensuite, il y avait des Ukrainiens, des Polonais, des Allemands, des Roumains, des Autrichiens, des Tchèques, des Arméniens. On avait même une église arménienne chez nous. Mais c'était un pays pluriethnique et pluriculturel. Donc j'ai passé là-bas mes premières années jusqu'en 1932. Et j'ai fait tout le lycée. Et en terminale, les idées de gauche ont commencé à subir l'influence des idées communistes. D'un côté, il y avait l'Allemagne sous Weimar qui était... Tous les écrivains de langue allemande étaient plutôt de gauche. Et en Autriche aussi, c'était social-démocrate. Il y avait l'Union soviétique qui était tout près d'où venaient des idées révolutionnaires. Enfin, l'influence était très forte. Et toute la jeunesse était politisée à cette époque. Les uns devenaient communistes, les autres sionistes, les non-juifs devenaient déjà fascistes. C'était la montée du nazisme à l'époque. C'était avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, mais c'était la montée du nazisme. Donc, je suis rentrée, j'ai passé les bacs très jeune, à 16 ans et demi. En 31, j'ai été déjà à l'université et je suis entrée dans un groupe d'étudiants révolutionnaires. Ça s'appelait comme ça. Je crois que ça faisait partie des jeunesses communistes, mais on n'en parlait pas. D'ailleurs, notre activité était égale zéro. On se réunissait, on parlait, on discutait, on lisait ensemble, on apprenait les bases du marxisme. Il y avait à l'époque Karl Kautsky et Plekhanov, parce que Karl Marx lui-même était interdit, le Parti communiste étant interdit en Roumanie. Et c'était tout pour notre activité. On faisait des réunions. Mais on se croyait des grands révolutionnaires à 17 ans, vous savez, 17 ans et demi. En juin 1932, en pleine période d'examen, hop, arrêté. 56 étudiants, tous juifs, ont été arrêtés. Le chef a été arrêté le premier, il a donné toute l'organisation. Alors vous pensez que ça a fait la une de tous les journaux? 56 fils et filles de bonnes familles, juifs, qui ont été arrêtés comme communistes. Mes parents étaient catastrophé, ils ne savaient rien du tout jusque-là. J'étais la plus jeune de la famille, on était 6 à la maison. Et elle a commencé à mettre en branle tout ce qu'elle avait comme relation, plus du bakchiche. 3 jours après, j'étais libre. Parce que en Roumanie, avec des relations et du bakchiche, on pouvait absolument faire tout ce qu'on voulait. Donc au bout de 3 jours, j'étais libre et puis ils m'ont envoyé à Vienne. Parce que je suivais 2 filières. Je suivais une filière universitaire et une filière musicale de piano. Alors mon prof de piano m'a incité d'aller faire le conservatoire à Vienne. Et j'étais 1 an à Vienne. Et en 1933, je suis revenue en Roumanie et j'étais à Bucarest, où j'étais censée suivre mes études.
En réalité, je suis entrée de nouveau dans un cercle de communistes. Justement, le futur Walter Roman, qui s'appelait Ernst Neuberger, de Oradea Mare, c'était mon premier contact. On était, comme on était tous les deux à la fac des sciences, on a été dans une cellule ensemble. Et durant 4 ans, de 33 jusqu'à 37, j'ai milité pratiquement à plein temps là-bas. Et c'est là que j'ai eu ma première formation politique. Et surtout aussi, j'ai fait connaissance avec les règles de la clandestinité, parce que les partis communistes étaient illégaux là-bas. En 37, les partis communistes ont trouvé qu'il y a trop de juifs. Sur 1000 militants en Roumanie, la grande majorité était des juifs. Et en plus, des juifs, des étudiants ratés, trop d'intellectuels, trop de juifs. Et il fallait se débarrasser de ça, et surtout, avec qui on va faire la révolution? Il faut faire la révolution avec la classe ouvrière. Il y en avait aussi quelques-uns. Ainsi, j'ai connu déjà Christian Nicolae à Bucarest. Il était mon chef en 34. Pas parce qu'il était plus calé qu'un autre, mais il correspondait au profil du parti. Il était d'origine prolétaire, cheminot d'origine. Il était roumain, un vrai roumain, pas un juif, parce que la plupart étaient juifs de Bessarabie, de Transylvanie, de Bucovine. Bon. Donc en 1937, c'est le parti qui m'a incité. Pas seulement moi, nous étions plusieurs, dont le futur Boris Holban, Christina Boyko et tout ça. On nous a incité d'aller à Paris finir nos études pour être plus utiles après, une fois qu'il y aura. Ma première liaison a été avec Arnoldi, qui était ici le représentant du Parti communiste roumain, ou je ne sais pas, il faisait partie du Comintern, et son pseudonyme était Alexandre. C'est Stefan Forisch qui m'avait fait la liaison avec lui, et j'ai fait connaissance avec lui, avec Rossia, qui était sa secrétaire. Donc, cet Arnoldi, c'était un vieux de la vieille. Il a eu, quand les troupes allemandes ont envahi l'Union soviétique en 1941, il a fait sa réapparition, il a demandé au parti qu'il voulait, il a été exclu entre-temps du parti, il a demandé de pouvoir participer à la résistance. On lui a accordé ça, mais il n'est pas arrivé à faire grand-chose, il a été arrêté, déporté à Auschwitz, mais il est revenu de Auschwitz. Et il a été réhabilité du fait qu'il a... C'est venu comme volontaire, s'est présenté pour combattre les Allemands. Et il a été en Roumanie et il a eu de nouveau des postes de responsabilité sous le nom de Buican. Je crois qu'il était assez connu là. Donc à Paris, quand je suis arrivée en 1937, Paris, c'est-à-dire le monde communiste à Paris, vivait à l'heure espagnole. Tout était l'Espagne, la guerre d'Espagne. Aider les brigades internationales, être en rapport avec eux, leur apporter une aide morale, matérielle. On a formé un comité d'aide aux brigades, aux volontaires roumains en Espagne. Il y en avait 300 volontaires. Bon, j'ai milité dans ce comité, j'ai été en même temps à l'Intervention balkanique où j'étais dans la rédaction, enfin je ne me rappelle plus, j'avais je sais pas, plusieurs activités, tout en suivant mes itinéraires. Il a été envoyé en Espagne, non pas pour combattre, soit officiellement il était commissaire politique, en réalité je crois qu'il devait faire partie de la NKVD parce que son rôle était de débusquer des trotskistes et autres traîtres. Alors il est venu après à Paris. Et il vivait vraiment sur un pied. Moi, à l'époque, j'ignorais qu'il existait une nomenclature qui vivait tout à fait autrement. Nous tous étions fauchés. À peine on avait de quoi vivre. On était pratiquement tous sur un pied d'égalité. Mais je voyais ces Petr et Boris prendre des taxis à droite à gauche parce que j'étais son interprète parfois. Il ne savait pas parler un mot de français. Et un jour, il m'a dit, mais tu as des talons complètement abîmés, viens, je vais t'acheter une paire de chaussures. Je dis, mais d'où tu as tant d'argent? Alors, il a eu le front de me dire, tu sais, les autres,
volontaires là-bas, quand ils touchaient leur solde, ils la dépensaient aussitôt, ils buvaient, ils mangeaient, ils dépensaient, s'achetaient des cigarettes. Moi, j'ai mis de côté sou par sou, et comme ça, maintenant, j'ai compris tout de suite qu'il me racontait un bobard. Et par la suite, j'ai su qu'il était appointé par Moscou via les partis communistes français. D'ailleurs, un jour, il a demandé à notre trésorière, qui était une amie à moi, Hanna, qu'elle aille au comité espagnol international qui se trouvait près des rues du Paradis. Notre permanence aussi était 5 rues du Paradis. Va chercher de l'argent pour moi. Il lui a dit une somme d'eux qu'elle allait chercher. Alors, elle a été chercher. Mais avant de lui donner, elle a dit, je veux que tu me donnes un reçu que je t'ai donné tant et tant d'argent. Quoi? Comment? Non, mais... Alors, il ne voulait rien entendre de reçu. Elle ne voulait rien entendre. Elle dit, je ne donne pas un sou si je n'ai pas de reçu. Il ne s'est pas laissé faire. Ça, c'était l'argent qu'il avait ramassé en Espagne. Bon. J'ai connu aussi Georg Stoïka, à peu près à la même époque, et Alex, qui de son vrai nom s'appelait Moskoukon. Et c'est trop long ce que... Non, je vais, vas-y, bon. Moskoukon, et il y avait Alexandru Mihailianu, Wexler de son vrai nom, qui était également envoyé par Moscou en Espagne, et qui était venu à Paris après. Alors... On a fait une conférence de tous les communistes roumains, et le but de cette conférence était surtout de parler des traîtres et des trotskistes. C'est parce que c'était au moment des procès de Moscou. Alors il m'avait demandé de prendre la parole et de parler de tel et tel camarade, le docteur Oster. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Ben, c'est le beau-frère de Wurmbrand. Je dis, alors Wurmbrand, c'était un communiste en Roumanie qui, en tombant, il était un grand responsable, il a donné effectivement, il s'est mis à table. Alors c'était, évidemment, il était connu comme traître, mais il n'avait aucun, je dis, quel rapport? Lui, il a fait ses études de médecine à Paris, il n'a jamais vu son beau-frère, quel est le rapport? Mais comment? Tu peux imaginer d'être le beau-frère d'un traître, ne pas être traître soi-même? Je dis, si, je peux très bien imaginer cela. Enfin, il n'y avait rien à faire. Il a essayé aussi d'un autre camarade qu'il fasse ça. C'était d'ailleurs le meilleur ami des Austras. Il n'a pas marché non plus. Combien de communistes roumains il y avait? On est à la débâcle. À la débâcle. Je suis parti à Exode. On a mis 6 jours. On était parti à pied de Paris à Bordeaux, où j'avais un copain qui faisait les études à Bordeaux, tout ça de mon pays. Et vous voulez que je vous raconte la débâcle? Non, pas votre débâcle. C'est les responsabilités après la débâcle. Ah, voilà. Je suis mal exprimé. Vous êtes mal exprimé. Non, mais vous dites, faites raconter les voyages. Vous dites, oui, bref, suis parti au premier train de rapatriement en août 40. Il y avait plusieurs copines hongrois des Transylvanie, des juifs des Bessarabies, qui étaient les plus nombreux. Début Covid, nous étions à 99% des juifs, sauf un petit groupe à Issy-les-Moulineaux, où il y avait des ouvriers de chez Renault, qui étaient des Roumains des Transylvanie. Et il y avait 2 communistes là-bas, Tanase et Vasile. Et il y avait aussi un groupe de sympathisants qu'ils ont réussi à créer. Donc, quand je suis revenue, j'ai tout de suite pris contact avec mes restés ici. Notre activité était pratiquement zéro, c'est-à-dire on essayait de récupérer, de retrouver. Tout le monde était dispersé. La plupart des hommes étaient faire la guerre, étaient prisonniers de guerre. Les femmes, on était une partie à Bordeaux, une autre partie à Toulouse, une autre partie qui s'est réfugiée sur la Côte d'Azur. Enfin, il y en avait un peu partout. Alors, on a essayé de maintenir, de refaire des contacts et de retrouver aussi nos copains qui étaient dans les différents camps. Parce que quand il y a eu la débâcle, les anciens d'Espagne, comme on les appelait, ils étaient au camp des Gurs, et on les a amenés au camp d'Argelès, une partie, une autre partie au camp du Vernet.
Alors, notre activité était pratiquement nulle à part ça. On essayait de nous regrouper. En décembre 40, on a appris que le futur Brisbane, Boria Bruchmann, et les frères des Fanny Gourvitz, Joseph Gourvitz, étaient à Metz. Tous les autres étaient dans les stalags en Allemagne. Alors, quand arrivait la période de Noël, les Allemands, qui essayaient de tout faire pour gagner la sympathie de la population française, ils ont fait publier que les ressortissants d'Alsace-Lorraine, qui étaient devenus déjà allemandes, avaient droit de voir leur famille pour les fêtes de Noël, à condition de venir d'abord à la Kommandantur, chercher un laissez-passer, démontrer qu'ils étaient originaires du groupe roumain. On a décidé que c'est toi qui vas aller à Metz pour essayer de faire évader les deux copains, Boria et Joseph. Alors, je ne sais pas qui a eu cette idée, si c'est elle-même, parce qu'elle n'était pas bête du tout, ou c'était quelqu'un d'autre, mais c'était une idée géniale que je parte dans la nuit du 24 au 25 décembre, parce que c'était comme une nuit spéciale. Il y avait moins de rôles, c'était plus facile. Parce que je suis partie comme seul papier, une carte d'identité d'étrangère, avec à la première page en grand un cachet rouge juive sur toute la page. Et c'était une carte à accordéon. Alors ça, c'était la première page. J'ai pris cette carte avec moi parce qu'on ne pouvait pas savoir, tout pouvait m'arriver. Je pouvais être arrêtée, fusillée, je ne voulais pas mourir en anonyme. Alors j'ai caché sur moi la carte avec l'idée, je ne m'en sers pas. Seulement si je suis morte. Et j'avais juste un billet de train. Fanny est venue m'accompagner, c'est trop long. Fanny est venue m'accompagner à la gare. Elle m'a apporté de l'argent, des adresses là-bas, une pension de famille, Kirsch, passion. Alors moi, naïvement, je savais très bien comment ils font un laissez-passer. Moi, je n'ai rien, j'ai juste mon billet de train. Comment, mademoiselle, vous n'avez que votre billet de train? Mais il faut un laissez-passer, comment vous allez faire? Je dis, écoutez, je ne sais pas, je vais parler avec le contrôleur du train, si c'est un Français, parce que voilà, je vais là-bas parce que mon fiancé est prisonnier de guerre et je veux aller lui rendre visite. Oh, dès qu'ils ont entendu prisonnier de guerre, j'avais toute sympathie. Quand le contrôleur est venu demander les billets, ils ont montré leur permis. Et moi, je dis, vous permettez que je vous... Il y avait donc une frontière. Et avant Metz, c'était déjà la frontière allemande. L'Alsace et la Lorraine, Metz était devenu allemand. Alors il m'a dit, écoutez, avant d'arriver à Bar-le-Duc, vous allez vous cacher dans les WC et je vais vous appeler quand ça sera fini. Vous n'ouvrez absolument à personne la porte, seulement moi quand je vais venir. J'ai fait comme il m'a dit, ça s'est bien passé, je vous dis les contrôles, il y avait moins de contrôles, c'était la nuit de Noël. D'ailleurs, dans le compartiment à côté, il y avait trois officiers allemands qui faisaient un boucan de diable tout en jouant aux échecs. Tout le monde était de très bonne humeur la nuit de Noël. Et avant qu'on arrive à Metz, il m'a dit cette fois-ci c'est plus dangereux parce que je ne sais pas, il peut y avoir quand même un contrôle plus sévère. Vous allez vous cacher sur la contre-voie, vous allez vous accroupir et vous resterez jusqu'à ce que je vous appelle. Je vous préviens, ça peut durer 20 minutes et même plus. Les trains ne marchaient pas aussi vite qu'ici, que maintenant. On est parti à 9h du soir, on est arrivé à 5-6h du matin à Metz. Alors, j'ai fait comme il m'a dit, je me suis habillée, et oh merveille, quand je descends du train, il y a neige partout, je me croyais dans ma ville natale, j'ai dit enfin. À Paris, il y avait un temps pourri comme d'habitude, et là, c'était le vrai hiver tel que je l'aimais. Alors, je suis restée accroupie comme ça pendant 25 minutes. Je connais quelqu'un, ils étaient vraiment tous très, très serviables et très avenants. Alors, je suis allée à la forteresse Queuleu. J'ai laissé ma valise chez les Kirsch, j'ai juste amené les cigarettes et tout. J'arrive là-bas, une sentinelle devant la forteresse, une porte impossible de pénétrer. La sentinelle, comme si elle avait avalé un bâton, même pas les cils qui clignaient, rien. On aurait dit une statue.
Alors j'ai commencé à lui parler en allemand, la statue s'est animée. Alors je lui dis, écoutez, j'ai fait, là je lui ai raconté une autre histoire, je suis d'ici de Metz, je viens voir un prisonnier français, j'ai envie de lui faire plaisir, comme c'est Noël ce matin, je lui apporte des petites friandises. Alors, vous me laissez entrer, il m'a dit, je vais aller chercher les sergents en chef. Il est allé chercher les sergents en chef. Alors, avec un grand sourire, il est venu, écoutez, mademoiselle, vous avez vraiment de la chance, parce que c'est Noël, il n'y a pas d'officier. Et moi, je vais vous faire entrer, je vais vous faire cette fleur. Mais vous savez, c'est strictement interdit. D'ailleurs, aucun civil n'a mis les pieds ici à la forteresse. Vous êtes la première. Alors, il m'a fait entrer d'abord dans une salle où il y avait plein de soldats, plus ivres les uns que les autres, parce qu'il avait déjà passé la nuit à festoyer, à fêter la venue du petit Jésus. Après, dans une autre salle, il a envoyé un sous-officier pour chercher les caporal Brumann. Alors j'entends un cri dans la cour, « Caporal Brumann, caporal Brumann, ta femme est là, viens !» Alors le caporal Brumann, et je le vois au bout de 5 minutes à courir, et avant qu'il ne vienne, je me suis mise d'accord avec les sergents-chefs, je lui dis, écoutez, vous me laisserez quand même 5-10 minutes que je puisse lui donner mes petits cadeaux et que je parle un petit peu avec lui. Mais évidemment, 10 minutes, mais pas une seconde de plus, parce que vous savez, c'est tout à fait irrégulier ce que je fais. Je n'ai pas le droit de le faire, je vous fais une fleur. Alors, il est même sorti discrètement de la chambre, il nous l'a laissé seul. Alors, j'ai dit tout de suite à Boris que je suis venue envoyer par le parti pour les faire évader, lui et Joseph. Alors, il m'a dit, oh là là, Joseph, il y a 48 heures, il a été transféré dans un stalag en Allemagne. Catastrophe. Juste les frères de Fanny qui... Bon, donc, j'ai été les voir plus... Je suis revenue à la pension Kirsch. Et quand, en mangeant, prenant mon premier repas, puisque c'était une pension de famille, j'étais censée rester manger, ils parlaient en alsacien entre eux, je comprenais tout, puisque c'était rien de plus que l'allemand, et j'ai compris qu'ils faisaient partie de l'action française. Alors je me suis dit, où je suis tombée, c'était vraiment pas à mon bord. Alors, tout de suite après le repas, je suis allée voir mon autre adresse. Et là, je me sentais beaucoup plus à l'aise. La femme du cheminot m'a proposé aussitôt que je peux venir là-bas, habiter chez eux et tout et tout. Elle, je lui dis que je viens pour faire évader mon fiancé. Tandis que là, chez les Kirsch, heureusement, j'avais parlé que de visite. Alors, je suis revenue chez les Kirsch et je leur ai dit, bon, alors maintenant, j'ai vu mon fiancé, je vais voir à la gare, quand est-ce que je peux repartir. Le lendemain, je leur ai dit au revoir et je suis allée dans l'autre adresse. Et Boris, je l'ai vu comme ça 5-6 fois dans différents endroits où il faisait la corvée. Entre-temps, j'ai pris, je ne sais pas qui c'est qui m'a parlé des sœurs Hélène, si c'est lui-même ou la femme du cheminot. On m'a dit qu'il existe une sœur Hélène dans un couvent catholique qui s'occupe de faire des évadés, des prisonniers français évadés. Alors, je suis allée là-bas. Je vous passe les détails. C'était, quoique je me rappelle exactement toutes les circonstances, j'ai mis avec elle au point les choses, qu'une fois que je lui ai dit qu'il y a deux personnes qui veulent s'évader, je n'ai pas parlé des métèques ni des juifs, c'était deux Français, deux prisonniers français, et qui étaient censés rejoindre De Gaulle une fois évadés. Parce que tous là-bas étaient parlaient que de De Gaulle. De Gaulle était déjà très très connu à Metz à l'époque. Et effectivement, une fois évadés, je les ai amenés chez la sœur Hélène. La sœur Hélène les a fait amener à Nancy en camion. Moi, j'ai poursuivi en train. Après, on a pris le train ensemble jusqu'à Paris. Enfin, bref, la résistance, enfin, les partis plutôt, a récupéré Boris. Et la pauvre Fanny était très frustrée, mais je n'y pouvais rien. Son frère n'était plus là. Alors, même année, j'avais une autre occasion de faire évader des prisonniers roumains. C'était 12 Roumains qui étaient au fort de Romainville.
parce qu'en juin 41, je ne sais pas, c'était certainement en rapport avec le commencement de la guerre russo-allemande. Ils ont été une partie essayer de s'évader du camp d'Argelès, une autre partie des autres camps. Enfin, ces pauvres 12 Roumains, ils n'ont pas réussi à s'évader. On les a mis dans le fort de Romainville. Alors, on m'a envoyé là-bas faire évader tous les 12. Et 11 ont rejoint les FTP. Il n'y a que le 12e, qui était d'ailleurs le plus jeune. On l'appelait Pushtu. Il s'appelait Hirsch. Il était le plus jeune de tous les combattants d'Espagne. Lui, il est parti aux États-Unis. Et vous avez connu à ce moment Kaminski et Betka? Oui, alors ça, c'était fin 41. La fan, toujours fan. Alors, notre première rencontre, il m'a dit tout de go, la résidence de beaucoup de papiers pour imprimer les tracts et toute la presse clandestine, pour les planques, qu'on avait besoin de toujours avoir des planques en réserve en cas d'urgence, et même pour les chaussures, parce qu'on usait énormément de semelles, tout le monde battait la semelle du matin au soir. Alors, il m'a mis en rapport avec Betka, en premier, avec sa copine de liaison, qui était Gutta Butterflam de son vrai nom. Moi, je l'ai connue comme Annette, après elle s'appelait Monique, et elle est devenue la femme de Jacques Kaminski. Et avec Betka, qui était la femme de liaison de Gronowski, qui était le grand chef de la MOI. Je n'ai jamais vu Gronowski lui-même, mais j'ai vu que Betka. Et enfin, j'avais rapport avec tout l'appareil de la MOI, plus de chaque groupe de langue, quelqu'un que je voyais journellement. J'avais jusqu'à 30 rendez-vous par jour. Journellement, on me donnait des listes des personnes qui avaient besoin des faux papiers, avec leurs photos, avec leur âge, leur origine et tout, pour qu'on puisse faire les faux papiers en conséquence. Des noms avec des photos qu'elles devaient transmettre à l'imprimerie. Et je montais dans une direction, elle dans une autre direction. Quand j'étais là en train d'attendre le métro, je vois Betka qui s'agite, commence à faire des signes. Elle a oublié de me dire quelque chose. Elle se met à me crier quelque chose en yiddish par-dessus les marches. Alors j'ai fait semblant de ne pas savoir à qui elle s'adresse. J'ai regardé derrière moi pour voir à qui cette bonne femme pouvait s'adresser. J'attendais que le métro arrive. Le lendemain, je lui dis, Betka, tu nous as mis en danger toutes les deux. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Tu as oublié quelque chose, tant pis. On se voit une fois par jour, parfois même deux fois. Tu attends jusqu'à la prochaine fois et tu me dis ce que tu as oublié. Elle m'a dit, moi, j'ai pas peur. Il n'y avait pas moyen d'expliquer que ce soit à Betka, à Bilichka ou à Fanny, la différence entre ne pas avoir peur et être imprudent. Que ce n'était pas du tout la même chose. Bref, la clandestinité commençait dès qu'on fermait la porte derrière nous. Je leur ai expliqué, il fallait se méfier des voisins. On ne pouvait jamais savoir qui étaient les voisins. Les concierges, dans la majorité du temps, la plupart du temps, étaient liés avec la police, étaient des informatrices, alors il fallait se méfier encore plus. Et une fois qu'on sortait dans la rue, il fallait faire semblant qu'on avait quelque chose à faire. D'ailleurs, on rentrait, on essayait de rentrer et partir à des heures régulières pour ne pas attirer justement l'attention, ni des voisins, ni du concierge. Ça, c'était la clandestinité. Maintenant, on va commencer sur le travail de la terre, le passage aux terres. Oui. Alors, en août, j'ai travaillé pendant 8 mois à la MOI comme permanente. En août 42, J'avais un petit incident avec Kaminski. Parce que, en plus des Bouta, je le voyais aussi tous les deux jours, je voyais aussi Kaminski directement. Alors, il était question de papiers, on a besoin de papiers, on n'a pas besoin de papiers, il faut procurer les papiers, il ne faut pas procurer les papiers. Alors, je lui dis, écoute, alors, dis-moi à la fin des fins, il faut du papier ou il ne faut pas de papier? Il faut que je sache quand même. Comment? Sur quel pont tu me parles? Tu te rends compte à qui tu as affaire? Je suis dans les mouvements révolutionnaires depuis 25 ans. Nous étions en 42, donc en 17 à la Révolution, il était déjà communiste. Il était déjà dans le mouvement révolutionnaire. Et fini la MOI, lèse-majesté.
J'ai osé parler à mon chef. Je ne savais pas que je ne pouvais pas parler à mon chef librement. Jusque-là, je parlais librement aussi bien à mes chefs qu'à mes égaux, à tout le monde. Alors, c'était en tant que punition, pour ainsi dire, pas parce que j'étais germanophone, mais en tant que punition que j'étais mise au TA. En réalité, je me sentais comme un poisson dans l'eau dans cette TA, dès les premiers jours. Parce que comme j'étais germanophone, et là on parlait qu'allemand, tout le monde parlait allemand, ça a été organisé par Arthur London, aussitôt que la guerre, que les troupes allemandes ont envahi l'Union soviétique, on a créé cette TA. Et les premières étaient les autrichiennes. Il y avait un groupe de 10 ou 12 autrichiennes communistes qui travaillaient dans le TA. Il y avait des allemandes, il y avait quelques tchèques, polonaises, roumaines, c'est-à-dire bukoviniennes, et même une hongroise. Enfin, tout ce qui était germanophone, on a mobilisé pour travailler dans le TA. Ça veut dire quoi, le TA? Le TA, ça veut dire travail allemand. Il y en a qui disaient travail anti-allemand, mais en réalité, c'était travail allemand. Le but de la TA, du TA, était la démoralisation de la Wehrmacht et la décomposition, comme on dit en allemand, Zersetzung, en français, on ne dirait pas, je ne sais pas comment on dirait, il fallait vraiment les démoraliser. C'est-à-dire entrer en contact direct avec eux et leur faire la propagande contre la guerre, contre Hitler. Et ça, c'était le rôle des femmes. Au début, j'avais liaison avec Maria, de son vrai nom Elisabeth, qui m'a introduit là-dedans. Enfin, elle m'a dit en quoi consistait le travail. Et j'ai fait connaissance avec plusieurs copines, Friedel, Rosel, Wilma, enfin toutes des Autrichiennes, des Viennoises, juives viennoises. Là aussi, d'ailleurs, il n'y avait pratiquement que des Juifs. La seule qui n'était pas juive, c'était Maria, justement, Elisabeth, qui était d'une grande famille bourgeoise de Vienne. Toutes les autres étaient réfugiées. Après l'Anschluss, sont venues en tant que réfugiées en France. Donc, on allait dans des endroits où se trouvaient les Allemands et on les abordait. En 1942, quand j'ai commencé à travailler, faire ce travail, ils étaient encore gonflés à bloc. Fiers, ils se promenaient, Paris leur appartenait, le monde, l'europe leur appartenait. Sûrs de gagner la guerre, je ne sais pas si effectivement ils étaient tellement convaincus, mais ils faisaient ceux qui étaient gonflés. Il y avait effectivement encore énormément de nazis. Et pour les aborder, ce n'était pas difficile pour nous, une ou maximum deux fois. Et de temps en temps, on tombait aussi sur des gens qui était plus abordable. Surtout après Stalingrad, tout d'un coup, leurs oreilles s'ouvraient davantage quand on leur disait, vous savez, vous avez d'ores et déjà perdu la guerre, ne vous faites pas d'illusions. Il n'y aura pas de Wunderwaffen, il n'y aura pas d'armes de miracles, vous avez perdu la guerre. Et d'ailleurs, mettez-vous bien dans la tête que rien que en portant votre uniforme, tous les Français vous haïssent, même s'ils vous font des sourires, sachez que tout le monde vous haït. Et vous allez payer cher pour les crimes que les SS commettent à l'Est et partout. Parce qu'on va mettre ça sur le dos de tout le peuple allemand. Et de plus en plus, notre discours était entendu. D'ailleurs, on a rencontré... dans la masse des anciens social-démocrates, des anciens communistes, des anciens démocrates, des anciens anti-nazis et des jeunes qui étaient des familles anti-nazis. Je me souviens notamment d'un jeune de 19 ans, il était vraiment touchant. Alors je lui dis, maman, qu'est-ce qu'elle dit de tout ça? Alors elle me dit, il a presque mis à pleurer. Maman, elle a tellement peur que je tombe. Et à partir de septembre 1943, Maria et Gustl, diminutif de Gustave, ont été envoyés à Vienne pour organiser la résistance là-bas. Et c'est moi qui suis devenue la responsable de tous les groupes de femmes. De septembre 1943 jusqu'à la libération. Alors à ce moment, je n'avais liaison qu'avec les soldats qui étaient déjà travaillés par nous. Nous avions, sont arrivés à peu près 12-15 soldats organisés dans la résistance, par groupe de 2 et 3. Alors ainsi, nous avions un groupe
au ministère de la Marine, qui se trouvait place de la Concorde, et il y avait Hans et Arthur. Et comme ils étaient au ministère des radios au ministère de la Marine, ils pouvaient avoir des informations de tout ce qui se passait, de tout ce que les Allemands, on était au courant, qu'est-ce que les Allemands pensaient du deuxième front, où c'est qu'on allait débarquer, s'ils se laissaient intoxiquer, parce que les Anglais, ils faisaient croire qu'ils allaient débarquer ailleurs que là où ils ont débarqué en réalité. On savait tout ça par eux. Et en plus de ça, ils faisaient vraiment tout ce qu'on leur disait de faire à l'intérieur du ministère et à l'extérieur. C'est eux qui ont proposé que dans les piscines, comme ils se déshabillaient, ils mettaient dans les vestiaires leurs pistolets avec les vestons, qu'ils pouvaient shipper à chaque fois un pistolet. Alors plus d'une fois, fiers comme des pans, ils sont venus au rendez-vous avec un pistolet que nous avons transmis à la MOI, au FTP MOI. On avait un autre groupe qui était situé à l'hôtel de l'Arcade, près de la Madeleine. Il y avait Fritz, originaire des Sudètes, et son chef, le sergent-chef Adam Cestaro de Mayence. Et Adam Cestaro, Fritz, il était tout à fait anti-nazi, anti-Hitler, anti-Allemagne, c'est un Tchèque. Il était contre le fait que les Allemands avaient occupé la Tchécoslovaquie. Et Adam Cestaro, il avait un fils qui avait à l'époque 15-16 ans. Il m'a dit, je suis prêt à faire n'importe quoi pour que mon fils ne soit pas obligé aussi d'entrer encore dans la danse, dans la merde, autrement dit. Alors, on lui a dit, voilà, c'est simple. Il faut agir pour raccourcir la guerre, pour que votre fils ne fasse pas la guerre. Ils faisaient partie d'une compagnie qu'on appelait la compagnie des fusiliers compagnie en allemand. Ils étaient en contact direct avec Fresnes. À tour de rôle, ils voyaient les détenus de Fresnes, les résistants, et ils participaient aussi quand on fusillait les résistants au Mont Valérien. Alors, quand ils étaient en Fresnes, ils prenaient contact avec les détenus. Ils nous amenaient souvent des petits billets qui étaient adressés ou à la famille ou à la résistance, que nous transmettions plus loin. Et puis, ils nous ont proposé, parce qu'ils étaient malheureux comme tout d'être obligés de temps en temps de faire partie d'un groupe qui fusillait les résistants, d'organiser une évasion. Et on avait mis tout au point. Il fallait que les FTP MOI viennent couvrir la retraite des évadés. Et ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si à ce moment, c'était déjà après la grande chute avec la fiche rouge et tout, qu'ils n'avaient plus, ou bien, comme Holman m'a dit après, ben, on n'avait pas confiance, tu te rends compte, des Boches, on s'est dit comment on va tomber dans une embuscade avec eux. Ils n'avaient pas confiance, il n'y avait que eux qui avaient droit de faire des actions. La même chose, on voulait faire des actions au cinéma Rex. Ils étaient prêts à mettre une bombe à retardement au cinéma Rex. Et qui n'est pas venu au rendez-vous? C'était les FTP MOI. Ils étaient frustrés comme tout. Et une autre fois, ils avaient même l'occasion de faire une action dans une salle où il n'y avait que des hauts officiers, officiers. Ça devait être la cerise sur le gâteau de toute notre activité, de mettre cette bombe à retardement dans la salle où se trouvait la réunion des hauts officiers. Manque de matériel, ça a foiré aussi. Alors, on avait un autre groupe qui était placé au port de Clignancourt, dans la caserne des ports de Clignancourt, Schorsch en allemand et le grand Hans. Il faisait un très bon travail à l'intérieur de la propagande,
il y avait des tracts, parce qu'un autre travail du théâtre, c'était de distribuer des tracts partout où il y avait des Allemands. Alors ils me racontaient qu'on était venus avec des tracts distribués, et puis eux, ils les ramassaient, ils les donnaient plus loin à lire aux autres soldats. Enfin, ils faisaient très attention, ils savaient à qui on pouvait faire confiance, à qui on ne pouvait pas faire confiance. Enfin, ils étaient vraiment acquis à la résistance. Alors moi j'ai failli me faire arrêter un jour avec Schorsch dans la rue. C'était en été 43, on était sur le boulevard Ornano. Il devait partir le lendemain en permission et continuer à faire la propagande anti-guerre là-bas. D'ailleurs la population est commencée à être drôlement démoralisée avec tous les bombardements qu'il y a eu là-bas. Eux-mêmes ils craignent pour pas qu'ils étaient en Allemagne. Alors mon mari m'a aidé parce que mon mari avait beaucoup d'expérience dans les travaux illégaux. Et il m'a aidé à camoufler les matériels de propagande. J'ai écrit tout ce qu'il a fermé, les tubes, de façon qu'on ne s'aperçoive pas que tout était lisse après, comme il faut. Alors j'arrive au rendez-vous, je lui donne ma pâte d'antifrice, je lui explique tout. Tout d'un coup, une voiture qui s'arrête devant nous, deux officiers allemands qui sortent. Comme deux diables, tout d'un coup, on ne les a pas vus venir, ils étaient là. Vos papiers, mademoiselle. Avec un français parfait. Alors, je montre ma carte, Marie-Louise Dinès, née à Metz. Et pour cause, j'étais née à Metz, Vadé Boris. Alors, il me regarde, il dit, vous parlez allemand? Je dis non. Mais comment, vous êtes de Metz, vous êtes Lorraine, vous ne parlez pas allemand? Je dis non, je suis d'une famille francophone, et puis j'étais toute petite quand ma famille est venue à Paris. Alors, il s'est mis à questionner le soldat, en allemand, et j'ai vu qu'il rougissait, il changeait toutes les couleurs parce que lui, il savait que je comprenais chaque mot et les questions étaient plutôt crues. Depuis quand la connaissez-vous? Si, c'est là, bon. Alors, depuis 8 jours. Et à la fin, ils nous ont lâchés, ils hésitaient un petit peu, embarqués ou lâchés. Alors, finalement, ils nous ont lâchés. Et il m'a dit, vous viendrez demain matin à la commandanture à 10h récupérer votre carte d'identité. Moi, je savais que la carte était fausse, qu'elle ne résistait pas à un examen vraiment approfondi. Et je ne suis bien sûr pas retournée chercher ma carte d'identité. 48 heures plus tard, j'étais mariée à Ledru, née Balan, née à Bucarest, tout à fait d'autres dates et tout. Et mon pauvre soldat, je ne l'ai plus revu du tout. Qu'est-ce qu'il est devenu? Je n'en sais rien. Ils ont vu le mal en main que je ne suis pas venue. Ils ont dû se douter que ce n'était pas un rendez-vous galant, mais il s'agissait d'autre chose. Ils étaient très, très bien au courant de l'existence du théâtre. On l'a su par des soldats et on l'a su par des copains qui sont tombés les uns après les autres, aussi bien à Vienne qu'à Paris. Et donc... Est-ce qu'il a été envoyé à titre de punition sur les fronts de l'Est? Est-ce qu'il a été arrêté? Il a été arrêté? Je n'en sais rien, je ne l'ai plus revu. Ça, c'est mon incident. C'était difficile pour des filles juives d'avoir... C'était notre fierté. Ça, c'était notre fierté. Ça nous donnait une satisfaction très grande. Qu'étant juif, on n'avait pas l'air juif. Ça, il faut dire qu'on avait, parce qu'il y avait beaucoup qui se faisaient arrêter comme juifs, tout simplement parce qu'on voyait d'un kilomètre qu'ils étaient juifs. Mais nous, on aurait pu très bien nous prendre pour des Ariens. On n'avait pas l'air juif, et ça nous faisait d'autant plus plaisir qu'on était tout le temps dans la gueule du loup et on arrivait à les avoir. En juin 43, quand on a fait à Moscou l'été Freies Deutschland, langue libre, on a réuni 6 soldats allemands de 3 unités différentes à la piscine Charentonneau, qui n'existe plus maintenant, c'était au bord de la Marne. Alors, nous étions de notre côté, il y avait Maria qui était avant son départ à Vienne, Maria, Judith, moi, je crois Martha aussi était. Et il y avait 10 soldats, et chacun racontait ce qui se passait chez lui.
Et on leur a fait connaissance. Nous, on leur a donné des instructions, on leur a parlé des Freies Deutschland, du comité qu'on a créé en Allemagne. On a parlé de l'après-guerre déjà, comment ça allait se passer. Et surtout, on a mis au point un plan d'action et chercher de récupérer des armes dans les pays où on pouvait chipper pour aider ainsi la résistance française. Et vraiment, ça c'était nos plus fidèles militants. Mais il y avait aussi un travail d'espionnage ou non? Là, c'était que du... Non, il y avait même donc... mais moi, je n'avais rien à faire, ni avec les services techniques qui s'occupaient des tracts. Dans chaque groupe de langues, il y avait un ou deux qui étaient détachés pour distribuer les tracts. Moi, j'étais liée qu'avec les femmes et avec les soldats allemands. Mais il y avait ça, c'était un deuxième secteur de TA. Il y avait un troisième secteur, des copains et des copines qu'on infiltrait dans les services allemands, jusque dans la Gestapo, à commencer par les bureaux de recrutement et des volontaires qui allaient en Allemagne et jusque à la Gestapo. Et Judith, elle est tombée ainsi. Moi, j'étais liée tout juste avec une Roumaine, je me souviens, elle s'appelait Elena, et qui était femme de ménage dans un bureau allemand et qui me rapportait tous les jours ce qui se parlait, ce qui se disait là-bas et tout. Alors c'était, si vous voulez, une espèce d'espionnage, mais nous on appelait ça aussi travail de parti. Tout était travail de parti. Donc cette conférence, j'ai perdu les fils maintenant. Donc en janvier 1944, j'avais rendez-vous avec Avramescu, aussi un juif roumain qui était au TA, et qui était le responsable de toute la technique. Alors on se voyait tous les quelques jours pour qu'il me montre, qu'il m'importe ce qui paraît comme littérature, il fallait que je sois au courant de tout. Et notre rendez-vous était organisé de telle façon, moi je sortais du métro Bagnolet et lui sortait du métro Philippe-Auguste. On devait se rencontrer au milieu comme par hasard. Nous on était rodés dans le travail clandestin, on savait comment s'y prendre. Alors je monte, on avait rendez-vous, c'était un lundi matin, je me le rappelle parce que la veille, tout à fait par hasard, j'avais plusieurs hasards qui m'ont sauvé ce jour-là. Par hasard, j'ai changé de manteau. Comme mon manteau bleu marine était déjà un peu élimé, j'ai acheté un manteau gris, une redingote grise. Je monte l'escalier et une alerte. Alors tout le monde se précipite à l'abri, dans un abri qui était en l'occurrence un bureau tabac à l'angle de la rue Bagnolet. Et en montant avec une antenne, avec un œil, j'ai vu que l'air... Ça n'allait pas, il y avait quelque chose qui clochait. Et en effet, je regarde un agent qui reste de l'autre côté et qui a l'air d'observer qui sort du métro. Je me suis dit, tiens, un agent. Mais j'étais loin de me douter que c'était pour moi qu'il est venu, c'est moi qui devais ramasser. Stop. On ne devait pas aller au rendez-vous s'il y avait un incident quelconque. On devait se retrouver le lendemain. On avait ce qu'on appelait un repêchage. Mais je ne suis pas arrivée à aller à ce repêchage parce que le lendemain, avant d'aller au repêchage, ou le jour même, j'ai rencontré mon chef qui était Franz Marek, d'ailleurs un type extraordinaire. Et tout juste, il n'a pas... mis à danser. Je dis, ah, tu es là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Avramescu s'est fait arrêter, il a donné tout le monde et ton rendez-vous aussi. On avait peur que tu t'es fait ramasser. Et le lendemain, il y a un certain Polonais qui était justement là quand l'agent est rentré, il était à la préfecture et chance à l'époque, c'était d'avoir changé les vêtements, parce que si j'avais été en vêtements marine, peut-être qu'il m'aurait reconnu comme ça. J'avais une autre couleur et je n'ai vraiment pas fait le moindre geste pour me diriger vers mon rendez-vous. J'allais vers l'abri quand l'alerte était finie. J'ai pris une direction tout à fait opposée. Je ne faisais pas du tout mine d'aller là où je devais aller au rendez-vous. Alors j'ai vraiment échappé par les trous d'une aiguille. Et votre mari faisait aussi partie de la Moye? Mon mari était
dans un camp de, après les, il était en Espagne, après il a fait tous les camps. Il était en mars 41, il a été envoyé, ils ont décidé comme ça là-bas, les groupes roumains et hongrois, que les non-juifs, comme volontaires, travaillaient dans un camp de travail en Allemagne pour pouvoir après rentrer ou en Roumanie ou en Hongrie. Il y avait Laszlo Reich aussi parmi eux. Et mon mari, il est venu à Paris. Il y en a d'autres comme Laszlo Reich, comme Moritz Zemler qui sont rentrés en Hongrie, d'autres qui sont rentrés en Roumanie. Alors, il a fait 6 mois de camp de travail à Gelsenkirchen, dans la Ruhr. Et en octobre 1941, il est venu à Paris. Et aussitôt, le lendemain, il a été enrôlé dans les TPMOI. Il faisait partie d'un groupe de 3 avec Christian Nicolai et Michou Grünsperger. Ils travaillaient tous les 3 dans une petite entreprise, maintenant on dirait une PME, qui s'appelait les Biscuiteries Gauloises. Et je commence à fatiguer, vous voyez. Oui, arrêtons. On va s'arrêter un peu. D'abord, pour Hans et Arthur, j'ai oublié de dire qu'à la libération, ils se sont débarrassés de leur uniforme et ils ont lutté sur les barricades avec la résistance française pour la libération de Paris. C'était les seuls, d'ailleurs. Parce que ce n'était pas tellement facile pour eux de faire des choses pareilles. Bon, revenons donc à mon mari. Ils étaient 3 dans cette biscuiterie gauloise et ils s'arrangeaient de rester... après le travail, sous prétexte qu'ils devaient finir quelque chose, les parents leur confiaient la clé, il a dit « vous fermerez la porte quand vous partirez ». Et après le travail, en bon roumain, ils ont profité pour faire main basse sur la terre première. Il y avait de la farine, du sucre et de la végétaline. Ils ont ravitaillé tous les groupes roumains avec ça. C'était une vraie aubaine parce que Paris était déjà, il y avait déjà, tout était sur carte d'alimentation. Et ils ont ravitaillé tous les groupes roumains avec ça. Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il n'a pas bien entendu, ils ont pu ravitailler tous les groupes roumains comme ça. Tous les groupes roumains, ils ont pu ravitailler. Entière, attendez, ah oui, ils ont pu ravitailler tous les groupes roumains en farine, sucre et végétaline, ce qui était une aubaine à l'époque. Parce que c'est vraiment la profusion. Pour manger, on n'avait pratiquement pas à quoi se mettre sous la dent. Donc... en plus de ça, comme Michou et mon mari étaient des grands bricoleurs, ils ont installé dans un coin qu'ils ont camouflé par la suite pour que les autres ouvriers ne puissent pas voir la main, ils ont fait les premiers laboratoires d'explosifs, des matériels explosifs pour les FTP. C'était très ingénieux. Un réveil qu'il fallait faire, une mèche qu'on mettait au moment de l'action. Il ne restait plus qu'à mettre la minuterie à 25-30 minutes, ça dépendait de l'heure de l'action. Alors, malheureusement, il y avait plusieurs ratés avec ce matériel. Plus tard, Michou est devenu le chef de cette technique, c'est lui qui a fabriqué tous les explosifs, et avec toute une équipe et un vrai laboratoire, mais là, c'était les débuts. Et en même temps, il sortait faire des actions et il faisait partie du détachement des dérailleurs dont le chef était Wolf Ferry et le nom de Botzov. 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 Redites la phrase. Ah bon? Le chef des détachements était un ami. Ils étaient tous, ils se connaissaient d'Espagne, du camp et tout, absolument tous, si ce n'est pas de la Roumanie, et de Roumanie. Et donc, Botzov était le chef pour la bonne raison qu'on avait convenu, s'il ne rentre pas à telle heure le matin, je dois dire qu'il est tombé et je dois prendre mes clics et mes claques et quitter la chambre et me chercher une autre planque. Alors, je sais très bien, il est sorti régulièrement faire des actions. Ça se passait habituellement en banlieue. Il prenait les trains les soirs. La veille, déjà, ils allaient voir les environs et tout.
quoiqu'il y avait aussi les services des renseignements, mais aussi des rendre compte exactement comment ça s'est, où ça se passait. Et les trains allemands partaient au petit matin avant les trains des voyageurs, à 5 heures du matin. À 43, ils ont fait dérailler 11 trains. Mais ils faisaient aussi d'autres actions. Ainsi, en novembre 42, ils devaient faire une action à la porte d'Orléans pour, où il y avait un centre de recrutement des Français pour aller travailler comme volontaire en Allemagne. Alors, comme c'était pas loin de la maison, mon mari a été voir la veille, bien que le service de renseignement a donné le feu vert, a dit « on peut y aller ». Lui, il est allé, il a dit à Christian « écoute, la retraite n'est pas assurée. Cette action, on laisse tomber ». Alors, Christian, un bon soldat de la Révolution, n'a rien voulu entendre. Il lui a dit « écoute, toi, tu fais ce que tu veux. De toute façon, tu es mal vu par les partis. Fais ce que tu veux. Moi, je suis soldat du parti. On m'a dit d'aller, je m'exécute. » Et en effet, le lendemain, lui avec Sas Dragos, un autre copain, ils ont réussi l'action et quand ils sont retirés, on les a arrêtés. 3 mois de torture et finalement fusillés au Mont-Valérien, juste un an avant la fiche rouge. Donc, bon, Marie a eu un vote de blâme et un avertissement, mais il a continué à travailler dans les FTP-MOI jusqu'au mois de mai 1943. Après, on l'a chargé d'organiser un front national roumain, qu'il a organisé d'ailleurs dans une des planques de mon frère, à Saint-Maur-les-Fossés. Et lui, mon frère ne savait rien à l'époque. C'est sa fille qui avait donné les clés à mon mari et elle a fait entrer tout le monde là-bas. Il y avait aussi ce fameux Tanasse ici les Moulineaux. Vassil était quelque part en province en train d'élever des cochons avec sa femme Elena. Et je ne sais plus qui était dans ce comité. De toute façon, il a organisé ce comité. Mon mari s'appelait de son vrai nom Gyula Miko, en français Julien Miko, mais tout le monde le connaissait sous le nom d'Alexandre Botoche. Il était à tel point Botoche qu'il y en avait qui ne savaient même pas, moi-même, parce qu'il avait l'idée géniale quand on se faisait des papiers, des faux papiers, il a dit « faites-moi sous le nom de Julien Miko ». Personne ne savait que son vrai nom était Julien Miko. Il avait donc des faux papiers à son vrai nom. Et quand il est venu à la préfecture après la guerre, après la libération, ils ont dit « mais je ne comprends pas, alors pourquoi vous venez à la section des étrangers, vous êtes français ?» Pourquoi il avait la secrétaire de la boîte où il travaillait lui a fait entre-temps une carte d'assurance sociale. Comment en français vous voulez? Alors il a commencé à expliquer, résistance, c'était très difficile pour eux de comprendre, vrai nom, faux papier, qu'il était dans le fond, il était roumain. Et vous avez connu Christina Boyko? Christina Boyko, je ne l'ai pas connue proprement pendant la résistance. On s'est très bien connue à Bucarest. On s'est connue à Paris avant la résistance. Mais après, tout était étanche. Les FTP, moi, j'étais censée ne pas travailler avec mon mari parce qu'il travaillait au FTP MOI et moi, je travaillais à la MOI après au TA. Mais on était tellement sûrs de nous qu'on savait comment se protéger contre tous les dangers, qu'on connaissait très bien les règles de la clandestinité, qu'on a, la plupart du temps, il venait chez moi. On n'a pas loué ensemble, il venait chez moi. Voilà. Et à un moment donné, c'était pas dangereux pour des jeunes juifs de draguer comme ça des Allemands, ça pouvait amener très loin. Oui, ça pouvait amener loin, il fallait énormément de psychologie, de savoir faire du feeling, comme on dit aujourd'hui, pour savoir à qui on avait affaire. Parce que la première fois, moi, au bout de 5 minutes, je savais si les discours qui me tenaient étaient authentiques ou si, au contraire, c'était un piège. Parce qu'il y en avait aussi qui étaient des nazis enragés et qui essayaient de nous piéger. Ainsi, une copine, Vilma, qui avait pourtant une expérience déjà de 2 ans du TA, elle s'est fait piéger comme ça.
un soldat qui a fait semblant de marcher. C'était une grande acquisition. Elle était archi contente. Elle est venue au rendez-vous. Je fais une bonne acquisition. Je crois que là, on a quelqu'un de très bien. Mais au prochain rendez-vous, c'était la Gestapo qui est venue. Elle s'est fait arrêter. Heureusement, elle est revenue de Ravensbrück 2 ans après. Il y avait Friedl qui s'est fait arrêter. Il y avait Judith qui a travaillé aussi à un moment donné dans un bureau allemand qui s'est fait arrêter. Il y a même Franz Marek qui s'est fait arrêter juste 6 ou 7 semaines avant la libération. Et il a eu, je crois, la frayeur de sa vie. Il savait qu'il allait être fusillé tel jour. Et c'est juste les jours où les FFI sont venus libérer Fred. Il se voyait déjà mort et il a été libéré. C'était un type extraordinaire. J'ai connu pas seulement Franz Marek, mais j'avais plusieurs chefs à un moment donné. Il y avait un certain Richard Otto. Je ne sais pas si Richard, c'était le vrai nom Otto. Il était Richard Otto. Et c'était un ancien député communiste allemand avant l'arrivée d'Hitler, et Otto Niebergall, son nom pseudonyme, on disait en roumain non conspiratif, Gaston, qui était aussi un ancien député, c'était deux vieux communistes. Alors Richard, on le mettait en boîte, ma copine Martha et moi, parce que vraiment, il a débarqué à Paris en 1943. Nous, on avait évolué avec les dangers. Les dangers étaient de plus en plus grands. La répression policière n'a pas commencé directement très forte. Ça allait en augmentant, exactement comme la répression des Juifs. Alors, il a débarqué de l'autre zone. Il ne savait rien du tout. Il nous admirait qu'on se mouvait librement. Alors, on disait, mais qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu étais quoi, avec des cochons? Qu'est-ce que tu as fait tout le temps dans la zone libre? Enfin, la première chose qu'il a voulu introduire, on va changer, ce n'est pas des noms, on va donner à chacun un numéro. Alors, je lui ai dit, à quoi ça rime? Qu'est-ce que ça va changer? Oui, comme ça, on a fait à Berlin, parce qu'il était, soi-disant, je ne sais pas, il était à Berlin dans l'illégalité, il n'est pas sorti tout de suite des Berlin. C'était un copain très, très sympathique, avec beaucoup d'humour, mais vraiment nul, absolument nul dans l'activité, dans les travaux de clandestinité. Tandis que Otto Niebergall, c'était le grand chef. Mais surtout après que Franz Marek s'est fait arrêter, j'avais liaison qu'avec Otto Niebergall, enfin sous le nom de Gaston. Mais il y avait aussi le danger que ces soldats allemands veuillent coucher avec vous. Non. Ça, il n'y avait pas les dangers. On se voyait que dans la rue, c'est que vous voulez, sous une porte cochère ou comment? Ils en mêlent. Où ça? Non, non. D'ailleurs, ils se sont aperçus au bout de... Ils croyaient, à chaque fois, ils croyaient avoir, ils étaient très fiers que des belles jeunes filles les abordaient, mais ils se sont aperçus très vite. Nous leur disions que nous sommes de la résistance française. Et comment vous parlez allemand? Enfin, on avait plein de noms fictifs. Une fois, je m'appelais Rézi, une autre fois Rosely. J'avais 50 000 noms. Il fallait que je tienne tout ça dans la tête. Pour les uns, j'étais ceci. Pour les autres, j'étais cela. Et on leur disait, on est de la résistance française. Et on est venu pour leur donner des informations. Parce qu'on cherchait aussi d'avoir des informations les plus possibles. Et on les informait parce que eux, tout ce qu'ils avaient, c'était la propagande officielle. Alors, beaucoup étaient très contents d'entendre un autre son de cloche que la propagande officielle qu'ils entendaient du matin au soir. Ils n'osaient pas franchir les pas. N'osaient pas vraiment participer. Mais ils savaient que nous étions de la résistance française. On leur disait comme ça. Ils n'étaient pas MOI, bien sûr. Ni juive. Résistance française. Fréquenter ces Allemands à la libération a risqué de vous apporter des ennuis. Pas seulement à la libération, mais un jour, je rencontre une copine, Ginette, son vrai nom, Sarah Levinson,
qui me voit avec deux Allemands, elle était tellement étonnée, je croyais qu'elle allait s'évanouir, parce qu'elle me connaissait très bien avant la guerre. La première chose qu'elle a fait, elle a été de dire à sa responsable, tu te rends compte, Irma, elle fréquente des Allemands. Mais ce travail était tellement clandestin que personne n'en avait connaissance. Même dans la résistance, personne ne savait qu'il existait un travail pareil. Alors, Fanny Gourwitz, après qu'elle est venue rentrer de son... parce qu'elle a été arrêtée à un moment donné, elle est revenue des déportations, c'est elle qui a mis au point, mais encore... Parce que après la libération, les partis français n'étaient pas du tout intéressés de dire qu'il y avait des bons Allemands aussi, et même des Allemands qui faisaient la résistance. Tous les Allemands, il fallait que ce soit des SS ou de la Gestapo. Alors, des bons Allemands qui étaient avec nous, qui se sont débarrassés de l'uniforme et qui ont jamais, jamais on a parlé de ça. Et en plus, comme on habitait après la naissance de Georges à la Varenne-Saint-Hilaire, mon mari m'a raconté ça, moi je n'avais pas connaissance de ça, qu'un jour deux types se sont amenés, ils ont dit on cherche une blonde qui a fréquenté des Allemands. Alors mon mari les a arrêtés, attendez, stop, c'est ma femme, elle a travaillé dans la résistance, c'était une grande résistante, elle a fait ceci. Alors ils se sont excusés, ils sont partis. S'il m'avait trouvée toute seule, si mon mari n'avait pas été là, j'aurais été peut-être rasée, et les cheveux rasés. Non, ça n'avait absolument rien à voir avec des coucheries. On imagine ça, mais ce n'était pas du tout... Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Ben stop, laissez-moi. Je connaissais pas mal des combattants roumains en Espagne, et comme par exemple Zoltán Samoil, c'était un jeune qui, en tant que jeune, il était sioniste, il a été en Palestine comme sioniste, et là-bas il est devenu communiste. Il s'est marié avec une juive polonaise, Eva, et il a fait la prison en Palestine. Après la Palestine, il a été en Roumanie, il a cherché le contact avec les partis. Et c'est moi qui l'ai pris en charge, tous les deux. Et quand la guerre contre l'Espagne a éclaté, et on a commencé à organiser les brigades internationales, il était le premier à dire « je veux aller en Espagne, organise quelque chose pour que je puisse aller ». Alors j'ai organisé son voyage en Espagne, et je l'ai revu après en 1941 quand il s'est évadé du camp. Alors, en août, en juin 41, dès qu'il est arrivé ici, il a tout de suite été dans les FTP-MOI. En août 41, il a été chargé de réceptionner du matériel à la gare de l'Est. Il s'est fait repérer. Lui aussi, il avait les physiques plutôt juifs. Il a dû se faire repérer en tant que juif et en tant que suspect. Enfin, on a voulu l'arrêter, il a voulu se sauver, on l'a abattu en pleine rue du côté de la gare de l'Est. J'ai jamais vu aucune stèle, aucun souvenir de ce brave garçon, Zoltán Samoil, de Transylvanie. Un deuxième qui était un bon ami de Bucarest, Iancu Zilberman, qui était de Iași, était élève ingénieur à Bucarest. On s'est très bien connus là-bas. Et je l'ai revu en 1941 quand il s'était évadé du camp. C'était un type genre Woody Allen, très bon, toujours les mots pour rire, toujours de bonne humeur. Il s'est marié ici avec la petite Liuba, qu'on appelait la petite Liuba parce que sa belle-sœur s'appelait également Liuba. Alors, un jour en 1942, je rentre à la maison, on habitait à l'époque 5 boulevard Arago. Qui c'est que je vois dans le couloir? Iancu Zilberman. Je dis, Iancu, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais d'abord qu'il s'apprêtait de venir nous rendre visite, quoi, que c'était strictement interdit. Alors il m'a dit, pssst, avec un sourire malicieux, comme il était toujours, tu ne sais rien, tu ne m'as pas vu, et tu ne sais pas que j'habite ici avec lui ou bah, dans l'autre escalier. Nous, on était escalier A, eux, ils étaient escalier B. On s'est séparés de très bonne humeur, et je ne savais pas que je n'allais plus le revoir. Au printemps 43, il se promenait du côté de la place et promenait. Il était dans la rue avec du matériel explosif. Il a explosé
dans la rue. On croyait d'abord qu'il était mort sous l'explosion, mais on a appris après qu'il est mort que 48 heures après, ce qui m'a fait encore plus mal au cœur, parce que je ne sais pas s'il était conscient de mourir. Et on a trouvé sur lui sa fausse carte d'identité, plus une quittance d'électricité avec son adresse. Alors aussitôt, ils sont allés à l'adresse. Liuba, quand elle a vu que Yanku n'est pas rentré affolé, elle est allée, ils n'ont pas arrêté Liuba, ils l'ont pris en filature, ils ont attendu jusqu'à ce qu'elle sorte. Elle est allée se réfugier chez son frère, le docteur Aaron Bachikorinsky. Alors tous les trois se sont fait arrêter. Dans la colonie roumaine, surtout chez les Bessarabiens, c'était un vrai séisme quand les trois, Iancu est mort et les trois Bachikorinsky en même temps ont été arrêtés. Et comme a raconté Rossia longtemps après la guerre, on s'est rencontrés à Bucarest, c'était une grande amie à ces Bachikorinsky, elle m'a dit, tu sais, on a tout fait pour les faire évader de Drancy. On a même creusé un tunnel, mais on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Avant qu'on finisse de creuser notre tunnel, leur convoi est parti. Ils sont morts tous les trois à Auschwitz. Et un troisième copain dont j'ai envie de parler, c'est Albert Breiman, que j'ai connu également de Bucarest, et qui était en Espagne, les camps et tout et tout. Alors c'est Albert Breiman, quand il était dans le camp des Gurs, il faisait la navette entre les groupes juifs et les groupes roumains, parce qu'il parlait parfaitement les yiddish et les roumains. Et même à Gurs, ils étaient par groupe de langues. Il y avait l'îlot roumain, qui c'était l'îlot numéro c'était ça marchait d'après l'alphabet. Et les groupes juifs étaient à côté, les groupes yougoslaves aussi. Lui, il allait toujours dans les groupes juifs. Les juifs se moquaient un petit peu des roumains. Ils disaient, les roumains sont plus catholiques que les papes. Quand il y avait une distribution de colis, de temps en temps, ils recevaient des colis de la Croix-Rouge internationale. Alors, chez les autres, on distribuait sans plus. Chez les Roumains, il a fallu commencer à tenir des grands discours politiques. L'importance de la solidarité internationale, ce que ça représente, et tout. Après, on a chanté l'international. Et après, on a donné à chacun sa brosse aux dents, ou je ne sais pas ce qu'on a dit. Alors, quand il venait après chez les Juifs, il disait, alors, on a déjà chanté l'international chez vous ? Alors, les mêmes, Brahima m'a raconté leur évasion d'Argelès quand ils sont venus d'Argelès à Paris. Ils s'évadaient par deux, parce qu'ils avaient décidé que deux, c'était mieux que trois et mieux qu'un seul. Alors, lui, il était en équipe avec Christian Nicolai, justement. Alors, dans le train, à pied, ils ont mis je ne sais pas combien de temps pour venir d'Argelès à Paris. Alors, un jour, ils étaient à pied, ils voient au loin des gendarmes. Alors, ils se sont arrêtés pour convenir de ce qu'ils devaient faire. Alors, Christian, dans une subite illumination, attends, Breiman. Figure-toi que nous sommes le comité central. Qu'est-ce que le comité central aurait fait à notre place ? Je m'avance trop. Alors, on a rigolé tant qu'on a pu quand il m'a raconté cette anecdote. Mais c'était tous des braves garçons, les uns comme les autres. Et Holban, vous l'avez connu pendant la guerre ? Holban, je l'ai connu à Bucarest. Avant la guerre, on a milité ensemble dans les comités, ce qu'on appelait nous les comités espagnols, c'est-à-dire c'était un comité d'aide aux volontaires en Espagne. Je l'ai connu quand je l'ai fait évader, mais après, on a travaillé chacun dans un autre secteur. On s'est rencontrés une fois par hasard, il était justement avec Michou Grinsperger, et même Christina aussi, les hasards faisaient qu'on se rencontrait de temps en temps. Christina, c'était une très très belle fille à l'époque, c'était la beauté du groupe roumain, avec des très beaux yeux bleus. Et après, on s'est revu à la Libération. Et Olga Banchik, vous l'avez rencontrée ? Ah, Olga Banchik, je l'ai connue à Paris, aussi avant la guerre. J'ai entendu parler d'elle à Bucarest, mais je l'ai connue à Paris. C'était aussi une très jolie fille, très très belle. Elle était mariée avec un certain Pascu.
Et ils ont eu une fille, déjà en 39-40. Non, c'était déjà la guerre. C'était pendant la drôle de guerre, ils ont eu une fille. Et quand elle a été arrêtée, elle a été décapitée à Stuttgart juste pour ses 32 ans. Une petite fille de 3 ans qui est restée. C'était affreux. Je savais qu'elle était dans la résistance, mais je ne savais pas ce qu'elle faisait. Normalement, on ne devait pas savoir. La clandestinité, c'était comme ça. On savait les uns des autres qu'on faisait, qu'on était actifs, qu'on faisait quelque chose, mais on ne savait pas dans quel réseau on était. Il y avait beaucoup de réseaux. Bon, on coupe. Parfait. C'est parfait? On va faire... Ça tourne, Jean-Luc. Ah bon? C'est bon.